Salut. Bonsoir à tous les choisis. Bon, vidéo très éducative. Donc, premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Si c'est la première fois que vous me trouvez en direct, hello. Si vous êtes habitué, welcome back. Et si vous êtes un Decepticon, vous ne m'aimez pas beaucoup. Bonsoir quand même. Bonsoir à toutes les reines. Bonsoir à tous les rois. Bonsoir la reine Raïsa, Nadège, la reine Nadège, la reine Bertine. Je vais très, très. Je vais pristinement bien. Bonsoir le roi Abdul. Roi Foyo, bonsoir. Torpio, bonsoir. La reine Moudemba. Bonsoir la reine Yaga. Donc, je viens aux informations. Actuellement, on jeûne. On est au mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je crois que c'est le cinquième jour de jeûne. Voilà. Bon dimanche, la reine Isabelle Atibita. Bonsoir Esti Poco Beko. Bonsoir la reine Sylvie. Bon dimanche à toi. Bonjour Mbouné. Bon. On va se lancer dans le vif du sujet, ok? We're getting in. We're coming. We're getting there. Avant ça, je voudrais des likes. Vous êtes déjà en train de donner des likes. Et puis, partagez aussi la vidéo. Ça va aider beaucoup de personnes. La reine Joanne, bonsoir. Il y a beaucoup de choisis là-dehors. Ils sont sur Facebook ce soir, ils sont perdus. Là, ils tournent comme ça. La vie ne va pas. Tu rêves qu'on te poursuit toujours. Tu es comme ça là. Bonsoir la reine Zondo. Et je voudrais, ma mission, bonsoir la reine Kamini, ma mission c'est de vous aider à sortir du trou dans lequel vous êtes. Le truc avec le trou, c'est que quand tu es dans un trou spirituel, you know something is not right. I know that I ain't supposed to be here. I know that, you know, I just like, man. Bonsoir la reine Nubis. La reine Chimène, bonsoir. Paola, la reine Paola, bonsoir. Je sais que, je sais même pas, mais je sais que ça, ce n'est pas, c'est pas ici. Et il y a des cycles répétitifs dans vos vies. Tu n'arrives pas à tenir une relation stable. Bonsoir, la reine Kodia. On arrive. Tantôt, c'est ceci, c'est là, l'homme part. Quand il te laisse, il part, il épouse la prochaine. Il te quitte là, il arrive, prochaine, il épouse. Toi-même, tu dis que yeah, il y a le ndou sur moi ou c'est quoi ça? Quoi encore? Le boulot peut-être. On te fait passer toutes les étapes. On t'envoie même derrière le papier. Ok, welcome to our, you know, now you're going to start on this day. Et une semaine plus tard, on te dit, nous sommes désolés. La dernière étape là, ça n'a pas fonctionné. Bonsoir la reine Makoso. Donc, il y a toujours quelque chose. Et il y a même une autre partie de ces personnes-là. Vous faites des formations tous les jours. Oh, je vais partir à la formation de telle personne. Oh, je vais partir à la formation de telle personne. Oh, je vais partir à la formation de telle personne. Oh, j'écoute le Bastasi. Hey, j'écoute. Bonsoir, le roi Ndoun, Ntok. Bonsoir à Arsène. Wansi, vous passez votre temps à faire du, moi j'appelle ça spiritual junkie. Tu vas d'un endroit à l'autre, d'un endroit à l'autre.
Ce genre de personne qui a fait les 5 formations, mais n'a jamais utilisé une des formations là. Vous suivez tous les coachs. Coach Sonia parle, vous écoutez. Coach Célia, tu parles, tu écoutes. Coach Célia parle, tu écoutes. Tu ne sais même plus ce que tu vas mettre en pratique. On t'appelle mini coach. Souvent, on t'appelle même coach. Mais le diable ne fait que... Il disait pendant le... Parce que quand on... Comme on jeûne actuellement le matin, 5h30, 5h45, compris. Donc, bonsoir, Uriel. Uriela. Donc, je leur disais ce matin que... Je ne veux pas que vous arriviez avec moi. Vous vous connectez à moi et 6 mois plus tard, votre vie n'a pas avancé. Facebook, si c'est l'étape 1, ça c'est le point de connexion. This is touching point. Si vous savez que vous êtes choisi, il y a le travail. Fan. Vous devez travailler. Tu vas écouter les bons messages parce que votre problème, c'est que vous êtes où? Oh, tel message, on a dit que c'est plutôt ça qu'il faut faire. Tu pars, tu fais. Il y a bu, c'est ça qu'il faut faire. L'autre, là, tu ne fais même pas. Tu as peut-être. Là où vous êtes, là, vous avez une file d'attente sur les choses que vous êtes censé faire. Oui, je vais prier. Merci, Joanne. Je vais prier. Il est vraiment commencé. Je vais parler des anges, des esprits qui nous guident. Ouais. Donc, j'attends. Connectez-vous. Partagez. Ce soir, je vais un peu entrer deep dans la spiritualité. Ça, généralement, je fais ça dans le groupe privé. Vous savez, je vous gronde, je vous. Après, vous dites un peu les choses deep. Après, je dis que faites ceci, faites voilà, je ne blague pas avec cela. Je parle, vous passez à voir la première étape de mes Decepticons là. Je ne veux pas les Decepticons. Bonsoir, Emeraude. Votre vie doit changer. Vous devez avancer. 15 ans, tu es en Europe, tu tournes. Chaque soir, tu es sur Facebook, tu tournes. Amusez-vous à votre vie. Amusez-vous. Hein. Jouez à votre vie. Vous allez lire. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé les femmes entre 40 et 58 ans environ. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en Europe comme ça. Ça fait 20 ans que vous êtes en Europe. Canada, États-Unis, Finlande ou bien Irlande, quoi là. Vous êtes là comme ça. Vous écoutez chaque... Vos enfants connaissent là que maman, pardon, elle a 50 pasteurs que je suis, pardon. C'est encore qui là maintenant, on est habitué avec elle. Je suis votre final stop. Et l'autre, elle ne blague même pas. Vous allez réussir. Beaucoup d'entre vous, vous avez des dons. Vous savez que vous avez un appel spirituel. Vous attendez tout qui pour que batte à l'église pour qu'on me dise. Ouais, c'est le pasteur qui doit me dire. C'est le pasteur qui doit me dire. Ouais, je priais déjà jusqu'à la gens étaient guéris dans mon église. Hein. Tu crois que ça va le plaire? Le fait que tu prophétises, Dieu te dit les choses intimes pour le pasteur. Vous pensez que ça va le plaire? Arrêtez aussi, non? Ouais, tu sais, moi je suis tellement gentil. Jésus ne se mettait même pas tous les jours dans l'église pour prêcher. Il restait dehors. Parce qu'il savait que son message là c'était hot. His tongue got fire. Il savait que non. Quand l'autre dit qu'il parle là, l'évêque là va entendre là, le diacre là va entendre, ils vont dire que non, on ne dit pas ça dans notre église. Et ça vous frustre. Ah, moi, il n'est pas plus à l'église. Il n'est pas plus à l'église. Tu n'es pas plus, tu fais alors quoi? Tu fais quoi? Parce que tu as un appel. Et Dieu ne t'a pas appelé à l'église. Dieu ne t'a pas appelé à l'église. God did not call you to the church. Arrêtez d'être confortable. Arrêtez de chercher les chaises chauffantes à l'église. Oh yeah, massage me. Yeah, that's right. Yeah, that's good. Yeah, this one. Yeah, oh yeah, that, you know the spot. Tu sais, le pasteur n'a pas pensé que j'étais bien. Il n'a pas pensé que mes dons étaient bien. Arrêtez de chercher le stop seeking approval. Arrêtez de chercher l'approbation. La majorité d'entre eux sont jaloux de vous. Tu entends l'église en une journée, tu peux aller le pasteur.
Alors qu'il est déçu depuis des années. Tu peux le lire. Tu le lis. Tu crois que ça va le plaire? Ce soir, je veux seulement vous chauffer. Je ne suis pas là pour vous. Je vais un peu chauffer là. Heavenly Father, I thank you, give you the glory. Seigneur, je te dis merci. Pour chaque personne qui va tomber sur cette vidéo, elles vont croire que c'est par hasard, mais il n'y a pas de hasard avec toi. Saint-Esprit, je demande que tu puisses toucher leur cœur. Qu'ils sortent de la religion. Qu'ils comprennent pourquoi Jésus est venu sur la terre. Ceux qui pensent que Jésus n'est pas venu, ça, ce n'est pas mon débat là-bas. Qu'ils comprennent ce pourquoi tu es venu. Qu'ils comprennent ce que tu leur as donné. La Bible dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est monté. En montant, il a donné les cadeaux. Il a donné. Vous avez des dons en vous. Seigneur, je demande que tu ouvres leur esprit pour qu'ils reconnaissent la voix du Père. Qu'ils soient guidés, qu'ils soient protégés. J'active leur protection angélique. Qu'ils puissent ouvrir leurs oreilles. Vos anges ouvrent vos oreilles. Vous entendez leur voix pendant que je vous parle. Vous avez confirmation qu'ils sont en train de vous parler à travers moi maintenant. Là. J'ai prié au nom de Jésus. And all God's people say Amen. And I say Amen. Je vais prêcher pour moi-même. Je vais dire Amen moi-même. Attendez. Merci Charlotte. Réjouissez-vous. Hein. Ce qu'elle veut vous dire ce soir-là, ça va confirmer les choses que vous avez dans votre cœur. Ça va vous confirmer les choses. Vous n'étiez pas folle. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas fou. Un ange gardien, ils sont différents. Ok. Étrange chez la nana. Hein. Ouais, Martial Feuillot. Vraiment. Tu es le genre d'enfant qu'on te met seulement au Congo là-bas. Je sais pas, t'as pas seulement que. Ça sort seulement que seul. Tu vois, non? Quand on fait le modèle d'habit, on ne modèle sort que seul. Vraiment. Donc, cette semaine, je vais enseigner deux fois, je pense. Si tout se passe bien, deux fois. Je vais approfondir les esprits qui vous guident. En anglais, on dit Spirit Guide. Les anges gardiens. Je vais parler un peu des entités invisibles. Bonsoir, la reine et nous. Vous savez que vous n'êtes pas seul sur cette terre, non? Vous savez que vous êtes guidé, non? Ok. Vous savez, non? Votre ange gardien est là pour vous protéger. Ok. Il est avec vous tout le temps. Il était là quand votre grand-mère était vivante. Il était là quand votre grand-père était vivant. Il était là quand on vous a conçu dans le ventre de votre mère. Il est là pour vous protéger. Et il ne peut pas vous protéger contre votre volonté. Ok, il ne peut pas vous protéger contre votre volonté. Votre spirit guide. Je vais plus tard, si Dieu le permet, toucher. Spirit guide, c'est un peu comme higher self, c'est-à-dire la plus grande partie de moi. Il connaît ma mission, il sait pourquoi je suis venu, il sait ce que je suis censé faire. Je vais commencer à faire des vidéos sur un tableau. Je crois que je me vois en train de faire des trucs sur un tableau. Je vais commencer à en faire d'ailleurs. Parfois, j'explique sur la feuille. Parfois, j'ai les tableaux. Je vais en faire. Avant que vous ne veniez sur la terre, avant de poupe dans le ventre de maman, vous vous êtes entendu, vous avez vu le chemin que vous avez à parcourir. Il y avait certains trucs de karma que vous deviez absorber. Ok. Dans la vie, c'est là, j'ai menacé quelqu'un. Ici, là, il faut qu'on me menace un peu. Ici, là, il faut que. Il y avait des leçons que vous devez apprendre.
C'est pour ça que vous devez remercier vos ex. Ok? Vos ex vous ont fait mal, mais vous avez appris. Et c'est pour ça que quand vous voyez un avortement ou une fausse couche, c'est juste quelqu'un qui a voulu s'incarner sur la terre et peut-être l'environnement n'était pas propice. Peut-être papa et maman s'engueulent trop, peut-être on a même violé, on a violé maman, elle est tombée enceinte. Et l'enfant sait que si elle vient le tous, je vais trop souffrir. Donc, il y a des conditions et puis bam, elle fait un accident. Ah, je suis tombée, ah, l'enfant sort. Ou bien encore, ils permettent et puis voilà, un sorcier du quartier vient et puis il fait un truc sur son ventre et puis voilà, elle perd l'enfant. La spiritualité est très vaste. Je vous enseigne, pendant que je vous enseigne, le Saint-Esprit aussi est en train de vous enseigner. Vos anges gardiens sont en train de vous rappeler ce qu'ils vous ont dit. Mais que vous n'avez pas écouté. Parce qu'il y a des enseignements que vous avez écoutés et ça contredisait ce qu'on vous a dit dans l'église. Le church, c'est différent de la spiritualité. Vous parlez de l'église que vous partez, vous asseyez sur le banc comme ça là. Le pasteur vous dit ce qui va l'arranger. Il vous dit ce qui sera bien pour son église, pour que sa population dans son église grandisse. Pas pour que vous puissiez vous développer en tant qu'enfant de Dieu qui est venu et qui a une mission sur la terre. Donc, il vous dit ce qui l'arrange. Odua. Répondez que, bonsoir la reine Prudence. La reine Prudence, beau regard, tu n'es pas folle. C'est pour ça que tu es sur cette vidéo. Tu n'es pas folle, ma chérie. You know the craze, girl. Not even one little bit. Ok, vous dites Répondez le Je vais vous enseigner le badjounet, même quand il ne parle pas bien. Voilà, Uriel là, au jeu. Voilà. Je vais enseigner de façon moyenne. J'étais censé faire cet enseignement sur le groupe privé qu'on a sur WhatsApp. Mais, Venano, comment tu te présentes alors que Marabout se manque comme ça, non? Mais ici, je vais enseigner le moyen. Like, you know, je vais aller de façon un peu, pas trop profonde. Parce qu'il ne va pas dire que, qu'est-ce qu'il dit que ça? Non, je vais d'abord aller shallow. Et puis après, on va commencer à approfondir un peu. Yeah, c'est bien ça. C'est bon. Donc, bonsoir Joline. Quand vous veniez sur la terre, vous aviez des choses que vous veniez faire. Et je vais encore vous choquer même. Vous avez choisi votre père, vous avez choisi votre mère. Ok. Franck, vous me dites tout le temps que je vais causer avec vous. Contactez-moi inbox. Je mets toujours mon numéro ici là. Vous allez me voir dans vos rêves. Vous m'envoyez souvent les messages. Oh, j'étais dans mon rêve. Tu me sortais de tel trou. Je dis oui, je vous attends. Quand vos anges vous disent de me contacter, ne me contactez pas. Ne me contactez pas. Quand vous fouettez la nuit, vous allez comprendre. Pour moi, quoi? Bonsoir, la reine Jenna. Donc, je continue un peu l'enseignement. Donc, avant d'arriver, vous avez choisi même votre père. Et vous saviez que mon père allait me négliger. Mon père allait me faire comme ça là. Ma mère allait comme ça là. Et vous êtes entendu, hein? Maintenant, parce que quand on arrive dans ce dans cette réalité, parce que vous savez que quand vous vous couchez, vous dormez, vous partez en croyant, non? Vous n'êtes pas seulement dans un seul monde, non? Vous savez ça, non? Ok, bonsoir la reine Meka, reine des étoiles, reine lumière, tu es arrivée, bonsoir. Vous savez que quand vous couchez, vous dormez, là, vous partez ailleurs. Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions, plusieurs réalités, non? Vous savez qu'en ce moment-ci, Jésus est en train d'être crucifié sur la croix dans une autre dimension, non? Vous savez qu'Abraham est en train de tuer Isaac. Il est en train de faire comme ça pour tuer Isaac dans une autre dimension, non? Vous savez que tout ce que vous connaissez du passé, du futur et du présent, ça se passe là, now. Ok? Les plus avancés vont me comprendre. Je vais vous faire un peu avec les enseignements ce soir. Parce que je suis un peu léger avec vous. Là, vous venez commencer à parler des trucs qui n'ont pas de sens. Vous me posez les fausses questions. Prenez d'abord les arachides, vous mangez. Vous voulez bien? Les arachides, ça avance très, très lentement. Vraiment. Pose arachide.
C'est exact, monsieur Denis. Merci, monsieur. Ah bon. Si vous venez à Douala, vous allez venir me visiter, vous n'avez pas le choix. Il y a quelque chose dans les archives là, ça m'active. Vous comprendrez. Bonsoir mes choisis. Je vais aller un peu profondément avec vous aujourd'hui. Les choses que vous voyez dans les rêves là souvent. On dit que tu es une sorcière. Tu n'es pas une sorcière. Ton pouvoir est juste trop grand pour eux. Ils ne peuvent pas comprendre. Vous comprenez, non? Ils ne peuvent pas comprendre. Mon clavier, si ça zappe toujours le set là vraiment. Merci. Mais vous êtes attentif. Hein? Mais vous me plaisez là. Vous me plaisez. J'ai le goût. Alors, donnez-moi mon numéro d'abord. Voilà. Nathalie, mais quand même, toi, tu vas venir manger les arachides là ici. Nathalie, mais quand tu vas venir manger. Le jour là qu'elle va te donner, elle va te dire. Ouais, Seigneur. Les marabouts, c'est comment ce soir, non? Ouais, c'est comment, non? Moi, ça. Tous les maîtres spirituels là, vous êtes sur ma porte. Salut, moi-même, non? Vous manquez de. Vous êtes très insolent. Vous aussi. Vous venez dans ma vidéo. Salut, moi-même, non? Avant de faire votre publicité. Ah, ça manque de respect. On fait pas ça. Je vous salue. Je vous salue. Alhamdoulilah. Ok. Allons-y. Ce n'est pas trop salé. Je prends les archives du village. On a jamais effleuré avec le sel. Vous devez comprendre l'onçon qu'il y a dans les archives ici. Bientôt, je vais vendre les arachides de Bénin. Donc, avant d'arriver sur cette terre, certains d'entre vous, vous étiez des maîtres. Écoutez-moi bien. Je suis là pour vous rappeler qui vous êtes. Écoutez-moi bien. Bonsoir Cyril, j'ai pas vu ton commentaire. Avant d'arriver, vous étiez des maîtres. Mais la loi de la nature demande que, quand tu arrives ici, on efface tout dans ta mémoire. Ça, delete. Ça, c'est là. Ta force est là. Là, effacée. C'est la loi de la nature. Vous comprenez. Certains d'entre vous, vous avez même 900 vies. Vraiment, ceux qui sont chrétiens, là, pardon, vraiment, vous allez seulement sortir du direct parce que je vais un peu baffer, je vais un peu bouh, votre tête là va un peu faire. Je m'excuse plus, je crois qu'ils ont déjà déliké ma page depuis longtemps. Certains, ça va tellement résonner avec vous. Tellement, vous allez dire que je savais. Vous dites que je savais. Certains étaient des rois ou des chefs dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y a des villes que quand vous les visitez, quand vous arrivez là-bas, vous avez un sentiment que je sais que je connais la ville-ci. Première fois que je suis arrivé à Paris, quelque chose dont je savais que je savais que. Certains étaient des rois, c'était des reines. Certains étaient de grands guérisseurs. Écoutez-moi bien. Oui, il y en a qui se souviennent. Il y en a qui se souviennent. Maintenant, certains même s'arrangent pour se rencontrer dans cette vie. C'est très rarement, parfois c'est des masters, les gens qui ont vraiment atteint un niveau très élevé. Si bien que quand vous, avant de mourir, vous entendez votre partenaire.
Et quand vous naissez maintenant dans cette vie, vous vous battez beaucoup pour pouvoir vous rencontrer. Et si vous ratez le cycle là maintenant, vous pouvez encore faire même 400 ans avant de vous rencontrer à nouveau. Certains ont prévu de rencontrer d'autres personnes pour que ces personnes les activent. Donc, tu rencontres quelqu'un, ça vous est déjà arrivé peut-être. Certains là, vous avez même prévu qu'on se rencontre, que je vous rencontre là, comme je suis en train de vous parler. Et ça vous active. Il y a beaucoup d'entre vous, depuis que vous me suivez, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes dans une autre dimension. Donc, c'est genre, like, vous sentez que votre pouvoir est en train de revenir. Certains, vous savez que quand la famille dans laquelle je vais arriver, quand j'aurai 5 ans, ils vont vouloir gâter mon pouvoir. Denis, laisse les marabouts comme ça, ils font leur publicité, non? Ils font la pub. Tiens, la pub. Ils font leur pub. Il n'en veut pas moi que quelqu'un. Quand quelqu'un fait son commerce, je regarde. Voulais parler des anges gardiens, mais apparemment, il faut que je parle de vous, de vous parler de vous. On a annoncé que je suis allé naître 700 ans avant qu'il ne naisse. Vous ne pensez pas qu'on aurait aussi pu prédire votre part de vie, de naissance? Arrêtez de croire que vous êtes trop simple. Je suis seulement la fille de maman Brigitte, non? Et de papa photo. Mais qui me connaît? Hey! Vous êtes un délivreur. C'est-à-dire que c'était parmi vous, vous êtes des maîtres spirituels. Donc, il y a un pouvoir en vous là. C'est pour ça qu'avec tous les secrets que les gens vous ont fait là, vous n'êtes pas encore mort. Et alors, on a essayé de vous tuer même 5 fois. Que le physiquement, oh là, ça n'a pas marché. Moïse, non, quand Moïse est né, on a tué tous les enfants dans le pays à cause de Moïse. Et là, pour manquer le respect, qu'est-ce qui se passe? Sa mère le prend, elle le met dans l'eau, puis il arrive, il passe chez le pharaon qui a commandé qu'on le tue. Il grandit dans la maison du pharaon. Non, ça c'est trop fort. Ça c'est le film, c'est l'acteur du film. Tu regardes le film, ça, tu dis que non, tu vois. Quand vous allez lire la Bible avec les yeux de ce que je suis en train de vous montrer là, vous allez arrêter de faire les petits. Ah, je sais, Moïse, il était une grande personne. Jésus, c'était un grand. Mais moi, qui suis-je? C'est pour ça que les prières, vos prières de chrétiens là, Seigneur, qui suis-je? Je ne suis même pas digne. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie. Seigneur. Jean 12. Jean 14, verset 12. Je vais vous faire le transfert de pouvoir ce soir. I go give power. Jean 14, verset 12. C'est Jésus qui a dit. En vérité, je vous le dis, Jocelyne. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. D'abord, dans la base. D'abord, ce que Jésus faisait. Et après quoi? Raïsa, vous allez vous retrouver. On dirait que vous étiez folle. On dirait que vous étiez folle. Ok. Et il en fera de plus grandes. Jésus a marché sur le nom. Vous allez voler. Je vais ouvrir vos pouvoirs. Je veux vous déchaîner. On vous a trop mis dans les boxes. Tu es arrivé quelque part, tu regardes quelque chose, tu dis que je peux faire ça. Une idée te vient, tu dis, Akandouda. Akandouda. On dit, oh, qui là-bas, tu es qui? Ah non, dans notre église, c'est le pasteur. C'est lui qui est le Dieu. C'est lui, tu vois. Tu dis, ah, moi je ne veux pas leur manquer de respect. Je suis humble. Après le pasteur va prêcher. C'est quoi l'humilité? Après, il essuie ça, il essuie son front. L'humilité, c'est quand tu te rabaisses, tu dis Seigneur, je ne suis rien. Tu dis pasteur, marche sur moi. Amen. Vous dites amen. Amen. Vous dites amen. Je dis aussi amen. Dites alors amen. Ouais, colo. Attendez.
Je vais prendre. Je vois mon écharpe qui me plaît beaucoup là. Je ne sais pas pourquoi l'écharpe ça me plaît beaucoup. Je suis très heureuse ce soir. Il y a beaucoup d'entre vous en train de sortir des trous. Pendant que je prêche là, vous êtes en train de délivrer. Vous êtes en train de délivrer. Les démons sont en train de sortir de votre tête. Je vous dis. Non, il y a l'onction ici là. Il y a l'onction dans mon écharpe ici là. Bonsoir ou bien. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ma part de feu, c'est là. Vous allez me voir que dans vos rêves. Je vais venir, je vais vous sortir des maisons où on vous a mis là. J'ai dit que je viens, j'arrête ta main comme ça là. Yeah! Aïe! J'ai la rage. J'ai la rage. On va continuer. Bonsoir, Geneviève. Vous, les mamans là, que vous croyez que oh, je suis déjà vieille, j'ai 50 ans. Une me contacte aujourd'hui, elle me dit que oh, j'ai 50 ans, je suis à trop haut, mon temps est passé. J'ai dit que ouais. Tu as quel âge? Tu as encore 54 ans à vivre. Tu me parles quoi? Tu n'as encore vu la, tu as encore vécu la moitié de ta vie. Tu pleures déjà. Ah. Yes. T'en es sur la sueur sur mon front. Vous voilà, vous grandissez. Parfois vous restez, bonsoir au Kala. Vous restez souvent la nuit comme ça dehors, vous regardez les étoiles. Les étoiles commencent à vous parler. Vous voyez les animaux. Les animaux commencent à vous parler. Partez à la rivière. Vous aimez trop partir à la rivière de votre village comme ça là. Vous aimez vous lever le matin. Vous sortez très tôt. Vous partez marcher. Tu as seulement 5 ans, 7 ans. Hein. Je dis, mais l'enfant, c'est là. Parce que ton esprit veut se déchaîner. Il dit, ouais, pourquoi je dois. C'est pour ça qu'à 12 ans, Jésus disait que, Mother, I got to be at my father's business, you know. Je dois aller faire le business de mon père. J'ai 12 ans. Le corps, cela me retient. Le corps. N'a des bodies, n'a des hold me. Après, on te dit que non. Et je vais vous informer ceci. Vous êtes tellement puissant qu'aucun marabout ne peut prendre votre pouvoir. Parce que ce n'est pas lui qui vous a donné. Vous me comprenez? Vous m'entendez? Le volume est bon. Je m'envoie une onction climatisée. J'ai mon petit ventilateur ici. Quand il prêche, je suis ventilé en direct. De temps en temps, j'éteins après. Personne ne peut prendre. Ils vont venir. Vous connaissez la kryptonite? Clark Kent là, ceux qui regardaient Superman. Quand on mettait la kryptonite à côté de lui, qu'est-ce qui se passait? Il s'affaiblissait. Quand on retire la kryptonite, on ne lui donne rien. C'est seulement question de temps. Son pouvoir commence à venir. Il se lève encore. Après, il fait ya! Il commence à voler. Ouais, laissez-moi comme ça là. Il y a juste des choses qu'on doit retirer sur vous. Vous m'entendez? Et en avant, vous devez juste agressivement obéir. Je vais vous dire maintenant comment les esprits vont vous guider. Vous avez vos anges gardiens. Allez dans la Bible et vous lisez.
Jésus dit toujours, le Seigneur dit, j'enverrai mon ange devant toi. Il va te montrer le chemin, que passe ici, passe là-bas. Moïse était guidé par les anges. Donc, vous avez votre intuition. Ils vont communiquer avec vous très souvent par votre intuition. L'intuition, c'est quoi? Je suis restée, j'ai eu toute envie de mettre, subitement j'ai eu envie de mettre ça sur moi. Je sais pas pourquoi, mais just feel right, you know. I just feel like, let me just put it on me, you know. I'm like, it's good. I just, this is, yeah, feels good. Yeah. Bonsoir, Mayuna. I'm just like, yeah, I should do this. Je vois le cancre là-bas qui passe. Ah, je vois un deuxième cancre là. Une idée me vient. J'avais lu quelque part en ligne que les cancres là ne sont pas maléfiques. Si tu vois les cancres là dans ta maison, ça veut dire que. Ok, pose, demande. Ok, je vois le cancre là. Au lieu d'aller le tuer, je dis plutôt. Ange gardien. Est-ce que les cancres là, si on, est-ce que la souris, si. Est-ce que le papillon, si. Est-ce que ça. Tu as un message que je veux me passer? Donc, j'ai dit que votre ange gardien est là pour vous protéger. Il y a les généraux, les grands, grands, grands là, comme Raphaël, Gabriel, le messager, Michael, celui qui fait les combats. Et il y a des milliards d'anges. Donc, ne dites pas qu'il n'y a pas seulement. Il y a des animaux qui vont vous donner le nom. Maintenant, quand je. Pour pouvoir suivre, continuer à suivre et vraiment, you know, to get what I'm saying, pour me get, you know, vous devez en parler aussi l'anglais. To get me, you know. Il faut que vous enlevez la tête là, enlevez votre tête. Vous voyez quand je dis que mais pourquoi, pourquoi c'est comme ça? Donc je vais avoir une idée dans ma tête, je vais te dire et c'est vrai. Le monde spirituel est différent du monde physique. C'est pour ça que dans le monde spirituel, vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un de cartésien, de très intelligent, de non, 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 non. Romains 8. Attendez, je vais verser. Denis, ce n'est pas par hasard. Il y a le pouvoir en toi. C'est pour ça que tu aimes Superman. Romains 8. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. Les enfants de. Attendez. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il y avait des moments dans la Bible où ils étaient conduits par. Ils faisaient les jeux de hasard. Ok, nous allons lancer les deux billes ici. On va lancer les dés. Barnabas, est-ce que tu appartiens à l'épaule? Ok, oui ou non? Si c'est rouge, c'est oui. Si c'est noir, c'est non. Ok, esprit, dis-nous. À l'église, on vous interdit les jeux de hasard. Non? Ok, esprit, dis-nous. Si je dois épouser Paul, tu me dis. Si c'est Paul, c'est blanc. Si c'est Jacques, c'est rouge. Ok? Voilà une autre voie par laquelle vos anges peuvent vous parler. Ça va venir par des questions claires, des options claires, pas que c'est flou, genre, si c'est l'option 51, si c'est l'option 53, si c'est l'option 25, ça veut dire que, après dans l'option 1, il y a l'option de non, 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 oui ou non, blanc c'est vert, blanc c'est non, noir c'est oui, vraiment like, you know, straightforward, droit, direct. Maintenant, quand vous faites ça, vous devez aussi avoir la foi que, comme je suis en train d'entendre ça là, comme j'ai fait ces vers là, j'avais dit que vers, ça veut dire que je vais quitter le gars là. Ça veut dire qu'en le quittant, non. Je sais que c'est la bonne réponse que j'ai eue. Maintenant, vos anges vont utiliser tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Même comme je vous parle ici là, ce sont les informations. Peut-être c'était un film que tu avais regardé. Dans le film là, l'enfant a communiqué avec ses anges en s'asseyant sur le parc dehors. Je vais très bien Valérie Béni. Je s'asseyais le soir et puis disait oui, je me balance, oui, mon ange gardien, je le rencontre devant l'eau ici chaque soir, je ne sais pas. Ça vous revient à l'idée. Demain soir donc, demain, tu as une idée qui te dit, va t'asseoir au parc, la rivière qui est au parc là, bas là-bas. Peut-être tu es à New York, tu dis que va en bas là-bas, la rivière là, oui, assois-toi là-bas. Quand ça va venir comme idée, il faut partir. Bonsoir la reine Bouma.
Je te fais penser à Abraham. Ok, dans quel sens, Denise? Maintenant, le moyen primordial de communiquer avec vos anges gardiens, esprits guides, c'est d'abord en posant les questions. Je sais que beaucoup d'entre vous me posez souvent les questions. Oui, ma reine, je fais comment sur l'autre signe? Ma reine, je fais comment sur l'autre signe? Bon, merci pour les compliments pour mon chapeau, ouais, vraiment. Là, c'est la chimamelu. Même si je vous donne une réponse ou j'interprète un de vos rêves, ça doit correspondre avec ce qui était déjà dans votre cœur. Mais maintenant, votre cœur ne peut pas vous parler si vous n'écoutez pas votre cœur. Beaucoup d'entre vous à l'église, on vous a appris à prier. Oh, Shana Rababo Sakata. Et Kotorabakashi Karababa Nelebosa. 2 heures. Dieu m'a écouté. Oui, merci Seigneur. Tu as fini de parler, non? Attends, Dieu te parle aussi.